ensuite donc partie 5 propriété des limites donc racine du nihayat très bien donc qui vous une limite de n égale à l l réel équivaut quoi limite de n tend vers plus l'infini de n moins l égale à quoi égale à 0 très bien donc elle dit ça elle est très facile donc je vous démontre ce dire là dernier très facile mais j'ai déjà ça une démonstration. Donc, par définition, même si c'est ça. Donc, limite de n, nisba égale à l, nisba 9, ce qui est un temps vers plus infini. Donc, là, je trouve que c'est un temps vers plus infini. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, chaque rahia, à ce moment, un temps vers plus infini. Donc, il y a une limite d'un suite, regarde, c'est un temps vers plus infini. Ça y est, donc, il y a une limite qui laisse nous très bien. Donc, équivaut quoi? Quel que soit epsilon positif, il existe grand N appartient à N. Quel que soit N appartient à N, N supérieur ou égal à grand N implique le valeur absolue de N moins L inférieur ou égal à epsilon. Donc, équivaut quoi? Donc ça, N moins L, le valeur absolue inférieur ou égal à epsilon. Équivaut quoi? En moins L entre quoi et quoi? Entre epsilon et moins epsilon. Hein, le valeur absolue. Équivaut quoi? En ça y est. Donc, équivaut quoi? En moins L. Moins 0 du tout valeur absolue inférieur ou égal à epsilon. Donc, limite n moins l égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Ça y est, donc, il y a une définition que je vais insérer là très bien. Donc, il y a une définition ça, moins 0, donc, il y a une réussite, très bien. Donc, il y a une donc, limite égale à 0, donc, on a moins 0. Donc la limite égale à 0. Très bien. Donc deuxième propriété, donc c'est limite de n égale à l où l appartient à r implique quel que soit epsilon, quel que soit lambda appartient à r, on a limite de lambda fois n égale à lambda fois l. Donc il y a une drobna suite fois n réel. Donc la limite égale à la limite fois le réel. Très bien. Donc, démonstration de la réalité est très facile. Donc, par définition, même si c'est un savant. Donc, ça, c'est une propriété qui est bien. Je vais vous montrer comment l'exercice est fait. Donc, je vais vous montrer comment vous définissez. Donc, la définition est très facile. Je vais vous montrer comment vous faites géométriquement, les femmes géométriquement, mais vous pouvez vous montrer comment vous faites. Très bien. Quel que soit n appartient à n, n supérieur égal à grand n implique n moins l inférieur égal à epsilon. Équivaut quoi? N entre quoi et quoi? Entre l moins epsilon et l plus epsilon. Équivaut quoi? Donc, on pose lambda réel, quel que soit lambda supérieur ou égal à 0, donc un ordre positif, et on va se mettre le signe d'inégalité, très bien. Donc, équivaut, lambda fois n, inférieur ou égal à lambda fois l plus epsilon, égal à l moins epsilon. Très bien, donc ça. Équivaut quoi? Lambda fois n moins, non, lambda, ouais, moins lambda fois l entre quoi et quoi? Entre lambda fois epsilon moins lambda fois epsilon. Équivaut quoi? On pose posant epsilon prime égale à lambda fois epsilon. Donc quoi?
Le valeur absolue de lambda fois n moins lambda fois l inférieur ou égal à epsilon prime. Équivaut quoi? Limite de n tend vers plus infini de lambda fois n égale à lambda fois n. Donc, troisième propriété, si limite de n égale à l est limite de vn égale l prime ou l prime réel, alors limite de n plus vn égale à l plus l prime. Bien sûr, on a fait un lambda positif. يعني إذا كان نيجاتيف لا ميم يعني نخدم اون دي دوبل سي لا ليميت او لا لامدا نيجاتيف دونك يعني نفس لا ليميت تري دونك او لا نفس بروبيتي كتبقى صحيح. ليميت دو ان قالك بليس في ان ايغال ال بليس ال بريم اي ليميت دو ان فوا في ان ايغال ال فوا ال بريم دونك نديرو هادي ديال بليس دونك البروبير غتكون بحال هاد ديمونستراسيون دونك limite de Vn égale à L implique qu'il soit epsilon positif, il existe N1 appartient à N, il existe N2 appartient à N, N c'est égal à N1, N c'est égal à N2 implique le valeur absolue de En moins L inférieur ou égal à epsilon, le valeur absolue de Vn moins L prime inférieur ou égal à epsilon. Donc, En moins L entre quoi et quoi? Moins epsilon et epsilon. Vn moins L entre quoi et quoi? Moins epsilon, epsilon. Équivaut quoi? Donc ça plus ça, égale ça plus ça, inférieur ou égal ça plus. Donc moins 2 fois epsilon, inférieur ou égal En plus Vn, moins L plus L prime. Inférieur ou égal 2 fois epsilon. Équivaut quoi? Donc on pense ça égal à epsilon prime. Donc, moins epsilon prime, inférieur ou égal à En plus Vn, moins L plus L prime, inférieur ou égal à epsilon prime. Équivaut quoi? Valeur absolue de N plus Vn, moins L plus L prime, inférieur ou égal à epsilon prime. Donc, limite de n plus vn égale à l plus l prime. Ça y est, très bien. Donc, si limite de n égale à l appartient à R étoile, implique limite de 1 sur n égale à limite de 1 sur l. Très bien. Donc ça, c'est une bonne idée. Donc il y a un zéro, un bon donc un gros. Donc on trouve une limite. Donc je vois le dire 0. Limite de n égale à 0 et n supérieur égal à 0 implique limite de 1 sur n égale à plus l'infini. Plus quoi? L'infini. Très bien. يعني خصكم تعرفوا نستعملوا الديفينيسيون بيان دونك ليميت ان ايغال زيرو ايكيفو كوا كيكو سوا ايبسيلون بوزيتيف ايل اكزيست كروند ان ابارتيا ان ان سوبر ايغال كروند ان امبليك فالور ابسول دو ان موان زيرو بيان سور انفيريو ايغال ايبسيلون دونك donc un le valeur absolue donc 1 sur un donc le valeur absolue de 1 sur un
supérieur égal à 1 sur epsilon. Donc, on pose A, grand A égal à 1 sur epsilon. Donc, A supérieur égal à 0. Pourquoi? Parce que 1 sur epsilon est égal à 0. Donc, supérieur strict. Alors, c'est que nous avons une supérieur strict. Donc, quoi? Donc, le valeur absolue 1 sur n supérieur égal à A. Il est défini sur une piste infinie. Donc, A est toujours égal supérieur à A. Donc, A est toujours positif. Donc, qui fait que nous avons A positif, A est supérieur au minimum. Donc, nous avons dit ça envers plus infini. Donc, 1 sur n envers plus l'infini. Lorsque n envers plus infini. Donc, dernière propriété, c'est limite de n égale à plus infini implique limite de 1 sur n égale à quoi? Égale à 0. Donc, la même. Donc, limite de n égale à plus l'infini implique quoi? Quel que soit grand A positif, il existe grand N appartient à n. N supérieur égal à grand N implique le valeur absolue de N supérieur ou égal à A. Alors, le valeur absolue de N sur N inférieur égal à A. Donc, N sur N tend vers quoi? Tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Ce que l'on a dit, c'est inférieur ou égal. Parce que je compte inférieur ou égal à 1, quel que soit, 1 les nombres réels positifs, je vais dire que tend vers la limite, ça, que je compte moins 0, moins l, c'est fait moins l, donc tend vers l. Donc on a moins 0, donc tend vers 0. Parce que je compte supérieur ou égal à, ou a, quel que soit a supérieur strict à 0, donc tend vers plus infini. Très bien. Donc, il y a devant moi la limite. Donc, maintenant, on a la limite. Alors, on a une proposition. Donc, si un est minoré. Non, oui, mais non, oui, très bien. Et limite de Vn égale à plus l'infini, alors quoi? Limite de L plus Vn égale à plus infini. Donc, on utilise ça. Ça. Donc, ça, la limite égale à minoré. Donc, là, demain, c'est ce qu'on dit, il y a un minoré. Donc, un supérieur ou égal à petit n. Avec m appartient à r. Ça, minoré. Et, limite. Vn égal à plus l'infini. Donc, limite de sa minorée, donc limite de n égale à l appartient à r ayant plus l'infini. Yani soit icône réelle, soit plus l'infini. Avec l supérieur ou égal à petit n. Alors, c'est n minoré. Donc, parce qu'il y a un minoré. Donc, quel que soit n appartient à n.